Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une nouvelle vidéo, pas par rapport à du City Hunter, mais vous l'avez vu, le titre de cette vidéo. Donc, ça va être tout simplement découverte de l'animé Cobra. Donc, c'est parti. Donc, avant de commencer la vidéo, vous connaissez le petit tratrin, la petite routine. Et puis, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, vous allez dire, tiens, Nicky Larson, tu vas découvrir Cobra, t'as jamais regardé. Si, je l'ai déjà regardé cet anime, mais on va dire ça date de fort longtemps et je pense j'ai quasiment oublié complètement la moitié de cet anime. Donc on va revoir ça, donc ça va être une redécouverte de l'anime. Et bien sûr, les amis, bien sûr aussi, ça a été le premier anime, pas par rapport à du City Hunter, parce que vous savez bien sur ma chaîne, c'était vraiment spécialisé du City Hunter. Il y avait, c'était toujours par rapport à l'œuvre de Tsukasa Ojo. C'était toujours Angel Heart, City Hunter Rubric, Cat Size. Ou soit City Hunter, ouais, voilà, City Hunter tout simplement. Voilà, donc on va dire c'est tout vers l'œuvre de Tsukasa Ojo. Là, on va partir en dehors de l'œuvre de Tsukasa Ojo. On va aller vers un autre animé. Donc, vous connaissez, c'est Cobra. Donc, cet anime, au cas où, je vous préviens, les amis, au cas où, si vous voyez un petit rectangle en haut à droite, entre guillemets, en face au parler, bah, ça va être l'animé, on va dire, que je vais regarder. Pourquoi en tout petit et pourquoi c'est un petit peu caché avec de la brume noire ou un genre de carré, un carré noir, je sais pas quoi. Parce que c'est pour pas avoir des droits d'auteur, parce que vous me connaissez, hein, YouTube c'est pas mon ami. Alors donc je suis obligé de mettre des filtres par rapport à l'épisode pour pas avoir des droits d'auteur. Et je l'ai mis en petit aussi pour comme ça j'ai pas aussi de soucis par YouTube et puis voilà. Donc c'est parti. Donc normalement j'ai mis le son ou pas le son parce que voilà avec les droits d'auteur vous savez bien. Mais normalement je pense pas y avoir le son. Mais vous inquiétez pas, je vais animer un petit peu la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti. Et au cas où bien sûr je suis sur la chaîne manga. Donc voilà, chaîne manga. Puis voilà, un petit like. Donc et puis c'est parti. J'espère cette vidéo, ça va vous plaire. Donc c'est parti. Donc je vais skipper l'intro. Donc voilà, parce que normalement il y aura du son. Donc le réveil. Donc bien sûr épisode 1. Voilà. Ok, ça commence bien. Ah ouais. Ah ouais, la routine, comment? Son dimanche est précieux, hein. Ah, c'est vrai, hein. Même pour tout le monde, hein. Un dimanche, c'est précieux. Il est pas trop content. Ouais, bah il est pas bon, mais il manque quelque chose. Ok, il va avoir l'argent, ok. On va voir alors combien d'argent. Donc voilà. Pas assez de thunes, Cobra. Ah bah. Ok. Il va regarder que la télé. Il va passer tout son dimanche à regarder la télé.
Oui, c'est cet endroit dans lequel on peut Ok. Ok, voilà, maison des rêves, c'est ça. Koba. Vraiment, c'est un animé qui date de fort longtemps. Et ça va, il est toujours beau. Ah ouais, j'avais oublié ça. Alors. Il va la draguer. Ok. T'as, quand je vois Cobra, on dirait Nicky Larson. Il veut toujours avec les meufs. Avec les femmes. Ok, elle va chercher un rêve. Bon, j'espère son rêve il va être exaucé. Ok, ils sont dans la navette. Ah ouais, Armanoïde. Ok, ce robot c'est Armanoïde. C'est vrai. Ok, il combat les méchants. Hein. Ok. Ah ouais. Dans son rêve, il est méga chaud. Hein. C'est vrai qu'Obra, il a beaucoup changé, hein. C'est vrai. Avec ses longs cheveux là, pubs longs. Ah! Faut pas oublier surtout les meufs. Cobra. Surtout les meufs. Re tout le monde. Donc voilà, il y avait une petite coupure. On est à 7 minutes. Donc au cas où, je vous préviens les amis, si à des fois je parle pas trop. Ben, désolé parce que j'ai pas trop l'habitude encore faire des vidéos comme ça. Mais faut que je m'habitue. Donc parce qu'il va y avoir des vidéos beaucoup comme ça. Donc voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Mais par contre, Cobra, il a beaucoup changé, hein, ça se voit. Avant, Cobra, cheveux longs, pubs longs. Ok, ses ennemis, c'est les pirates de l'espace. Ah ouais, une seule tronche quand même. On dirait une tête de pastèque, l'autre. Moi, j'aime bien avoir des animés assez what the fuck. Des trucs comme ça. Donc, voilà. Ok. Ok. Oh! Ah ouais, bah les ennemis ils sont un petit peu bêtes. Ah, ça, c'est le big boss, ça. Ah, le boss il demande à Cobra pour être avec eux, pirates de l'espace. Ah, il a eu en plein dans l'œil. C'est bientôt un headshot hein, un peu. Ok, les pirates de l'espace il a mis à prix sa tête. Avance. Personne ne réussira jamais à vaincre Cobra.
Moi, je préfère comme ça, moi. Dites-moi en commentaire, vous préférez Cobra en blond que dans ses rêves. Dans l'écho. Ah, il y a eu un petit souci. Par rapport à la femme, il a dit apparemment, normalement, il n'y a pas de cobra, normalement, il n'y a pas de pirate de l'espace. Donc, je sais pas comment il a fait pour rêver ça et normalement. Ah ouais, ok, c'est un employé de, bu... de bureau, il dit. What? Je me rappelle pas du tout de ça. Ok. Alors sa carte, il va la sortir. Voilà. Voilà, c'est ça sa carte. Allez, est-ce que Cobra il va gagner au casino? 38 rouges. Oh là 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 là, Cobra. Bah, il dit ça alors, ça c'est pour moi, et il donne tous les jetons, et il dit ah, oh, c'est pour moi. Ah, encore Cobra! Il est trop chaud, Cobra. Il va échanger ses jetons contre l'argent. Ah! Y a un petit problème. Le patron du casino, il veut voir Cobra. Moi, je le sens, il va se faire dépouiller. Ah, c'est lui qu'il a vu dans ses rêves. Il a vu dans ses rêves. C'est vrai. Il l'a vu dans ses rêves. On a compris, Cobra, tu l'as dit trois fois. Ok. Il dit apparemment il l'a vu dans ses rêves. Et apparemment c'est un pirate de l'espace. Bah le chef. Il rigole de sa gueule. Ah bah ça c'est sûr. Pour rêver des pirates de l'espace et plus lui. Ah, il cherche Cobra. Parce que je pense qu'il connaît juste le nom, mais il sait pas si c'est exactement. Bah, on va dire. C'est qui? Oh. Ah. Ah, Cobra, il se fait défoncer. Cobra, défends-toi. Tout le monde, il te regarde. Ah, merci les pubs. Ah, bah Cobra. Cobra est tombé vraiment dans le vide. Oh là là, Cobra! Enfin, il se défend! On pensait que. Ah, bah là! T'es un petit peu dans le pétrin, hein, Cobra. Ah, bah voilà.
RIP pour les ennemis, hein. C'est... Voilà. Le fameux pistolet. À la main. Ah, il est perturbé parce qu'il a perdu son bras gauche. Ah, là, il est vraiment sous le choc, là. Ah, il l'a vu dans ses rêves, voilà. Là, il se souvient un peu que dans ce rêve, il y avait un pistolet vers son bras gauche. Ah, ok. Ok. Ah, ça, c'est vraiment un génie. Ça fait 5 ans il est sur la Terre, mais ça fait 5 ans, on va dire, il savait pas exactement c'était qui réellement. Il savait pas c'était qui. Un cobra. Ah, il se découvre au fur et à mesure, un cobra. Ok, il se souvient de ses rêves qu'il avait utilisé un pistolet. Ah, oh, voilà, là il y a de l'action. Cobra, il commence à punir les méchants. Allez. Allez. Oh. Ah. Ah! Ah, d'accord! D'accord, les amis. Alors, en fait, le cobra, l'ancien cobra, ben, c'était vraiment lui, l'ancien qu'il y avait dans ses rêves, c'était vraiment lui. Mais sauf que. Il y a eu des problèmes de mémoire, des trucs comme ça. Et il croyait qu'il était mort le cobra, mais pas du tout, il a changé d'apparence, il a tout changé. Oh. Oh. Ah ouais, la complice, Amara. La robot là. Ah ok, d'accord. On comprend mieux pourquoi il veut le chercher. Ok. Ah là, il s'est fait défoncer. Et hop là. Ah bah tu veux te venger, bah. Bah là, c'est plutôt tes potes. Il s'est fait défoncer. En fait, ok. En gros, si. Bah en gros, si j'ai bien compris, ou ça, vous avez bien compris. En fait, Cobra, par avant, qu'on a vu dans ses rêves, c'était le passé de Cobra. Et par avant, il tuait ce. Les pirates là. Il défonçait les pirates. Et entre guillemets, bah maintenant 5 ans plus tard, parce que c'était 5 ans auparavant, qu'il y avait les cheveux longs, il était pas blond et tout. Bah là, 5 ans plus tard, apparemment, bah il avait tout perdu, il avait tout changé par rapport à son apparence, ses cheveux, bah tout. Donc voilà. Donc maintenant on comprend un petit peu mieux, on va dire. Pourquoi il est devenu comme ça? Voilà, ses souvenirs. Ouais. Ouais, il s'est fait transformer de tout en tout. Ils disent. Bah, il dit. Pardon. Ah, bah, toi, les pirates de l'espace, c'est vrai qu'il va les. Va les empêter. Ah, il préfère son nouveau visage.
Ok, c'est parti. Cobra maintenant, il sait son passé. Maintenant, il sait tout. Maintenant, là, ça va tout se jouer. Là, Cobra est revenu dans la place. Oh, tout le monde, désolé, il y avait une coupure parce qu'il y avait une pub qui arrivait sur la vidéo. Donc, on va dire, c'est pas. Je trouve c'est cool que Cobra y est comme ça, blond. Cheveux courts parce que je trouve qu'il est mieux qu'on compare les cheveux longs. Et en plus cette couleur j'aimais pas trop. Bah dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez le cobra d'avant ou soit le cobra là maintenant, d'actuel. Donc c'est parti. Ah, il est de retour là, le pirate de l'espace. Le grand big boss. Oh allez. Allez. Ah. Et voilà. RIP pour toi, pirate de l'espace. Cobra est beaucoup trop fort. Voili. Voili voilou, pirate de l'espace. Adieu. Ah, le prochain épisode de Cobra. Ok. Encore les pirates de l'espace, qui maintenant il va tout le temps les embêter. Hein. Donc le prochain épisode, ça aura. Donc ok. Ben voilà, ben j'espère cet épisode de Cobra. Donc Cobra, donc le titre c'est Le Réveil, épisode 1, ça vous a plu? Si c'est le cas. Vous savez quoi faire. Dites-moi en commentaire vraiment ça vous a plu là, aussi la vidéo. Et j'espère que je vous ai beaucoup mémoré cet anime. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà, largement déjà vu cet anime. Et ça fait un bail qu'ils ont pu voir cet animé. Moi, j'aime beaucoup cet animé. Sur 10, je mets un 7 sur 10. Parce que pourquoi cette note? Parce que je trouve c'est une note assez raisonnable. Et aussi cette note, je trouve que bah, elle est assez correcte parce que faut pas oublier que Cobra, ben c'est bien, mais ça se voit, on va dire c'est assez spécial. On compare vers les autres animés qu'on connaît, bah, les autres animés qu'on connaît, parce que cet anime, bah, c'est, on va dire dans l'espace, vers les robots, vers les pirates de l'espace. Vraiment c'est un bail, un autre bail. Mais je trouve c'est assez sympa cet anime. Et puis voilà. Donc nous, on va se retrouver vers une prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'était Nickel Arsène et Faire Manga. Allez, bye bye.